Thank you. Bye bye. La fin de cette aventure aux Philippines, et ça a été vraiment magique. Tous les voyages ont été différents, donc là je fais un break, je rentre en France, j'ai vraiment une idée pour la suite. En tout cas, je vous en ferai part tout à l'heure dans ce vlog. Allez, avant de commencer à parler un peu de ce que j'ai fait ici aux Philippines, je vais peut-être vous balancer quelques images. Donc voilà, déjà en premier, avant de parler un petit peu des Philippines, je vous laisse juste avec les images. C'était vraiment un truc de dingue. J'ai rencontré des gens géniaux. J'ai vraiment partagé des choses vraiment fortes, humainement parlant. Et j'ai vu des tas de trucs. J'ai vu des trucs incroyables, que ce soit des paysages magnifiques, que ce soit la mer, que ce soit le temps passé aussi en plongée. J'ai découvert les fonds marins comme je ne l'avais jamais vu. C'était vraiment un des trucs que je voulais faire ici en arrivant aux Philippines. Je l'ai fait. C'est dingue. C'était vraiment dingue. Que ce soit avec les requins, que ce soit avec mon moniteur de plongée que je salue, et c'était vraiment super avec lui. Et puis même dans les rencontres que j'ai fait ici aux Philippines, les Philippins sont des gens vraiment géniaux, les Philippins sont des gens vraiment gentils, et c'est dingue de constater qu'il y a une facilité en tout cas de contact qui s'est fait ici aux Philippines. En tout cas, j'étais finalement à moitié surpris parce qu'on m'en avait tellement parlé, j'avais tellement vu de choses de ce pays, mais c'est vrai, putain, les Philippins, vous êtes vraiment géniaux, vous êtes des gars vraiment bien. Que ce soit passer du temps avec les enfants, ou passer du temps avec, par exemple, avec mon pote Richemond, ou Marc que j'ai revu aussi à Manille, les Français que j'ai rencontrés aussi sur ma route. Voilà comment ça se passe pour la suite. J'attends mon avion, direction le Koweït. Je fais un changement de connexion, direction Paris. J'ai normalement, je dis normalement parce que c'est très, comment dire, tu sais jamais s'il vient ou s'il vient pas, mais normalement mon meilleur ami vient me chercher, Charles vient me chercher à Paris, et je fais la surprise à mes parents. Donc ça fait 91 jours que je ne suis pas rentré en France. 91 jours de voyage, je fais un petit break et puis voilà, donc c'est parti, 11 heures de vol et puis 6 heures, retour à Paris. Good evening. Hello. Thank you. Tu peux lui dire n'importe quoi, n'importe à quelle heure, genre le mec il s'en rappellera et il viendra quand même venir te chercher. Donc mon pote est là, il fait super froid, il fait je sais pas, peut-être 3 degrés, ça change mais ça fait du bien aussi. Je vais directement chez moi, mes parents savent pas que je suis rentré aujourd'hui, donc on va peut-être faire la surprise, j'espère qu'ils sont là au moins. Et voilà, ça fait plaisir de rentrer. Voilà, je viens d'arriver dans mon bled paumé, je fais pas de bruit avec la valise. Bon, ils savent toujours pas que je suis là, j'espère qu'ils sont là. Ça va? T'aurais pu nous le dire, ça serait obligé. Ça va? Monsieur, ouais, tu t'es fait mal, mon pauvre. Non, ça va, ah là 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 là. Je savais que là. Non. Je savais pas si vous allez être là, tu vois. Moi bon, si. Moi, ouais, je partais changer tes roues. Ouais, mes roues? Ouais. Alors, on va le faire à deux si tu veux. Ouais, il était en train de mettre un calme. Il y a fait pour papa là. Ouh mon bibi! Regarde qui c'est, Potichard. Oh, il est gros. Voilà. 3 mois sans. Non, moi c'est bon, c'est bon. Ah, non, ça c'est magnifique.
Merci Charles. Un vrai copain. Et voilà, doux retour au bercail. Ça fait trop bizarre d'être ici. Ma tête est encore aux Philippines, je pense. Bon, là commence cette délicieuse petite période où tu redescends un peu ton voyage, où tu te poses aussi pas mal de questions sur ton retour. Comment tu dois voir les choses avec ce que tu as laissé derrière toi ou justement ce que tu n'as pas aussi laissé derrière toi. Donc, beaucoup de questions aussi maintenant, mais je sais où je vais. J'ai d'autres objectifs. Comme je vous l'ai dit au début de ce vlog, je vais vous donner aussi une petite indication pour la suite. Donc je pars dans un pays pour aller voir un ami juste 4 à 5 jours. Charles viendra avec moi. On part dans un pays où il fait froid, encore plus froid qu'ici, et où on parle anglais. Donc on part de ce côté-là. J'ai plein d'idées pour reprendre un peu ce que j'avais fait en Thaïlande, aux Philippines, tellement que j'ai de contenu maintenant. Donc ça va partir sur des top 10, sur des conseils pour voyager, ça va partir sur un tas de choses comme ça. Merci de m'avoir suivi, merci pour ceux qui m'ont suivi depuis le tout début, donc c'est-à-dire depuis la Mongolie. Merci pour vos commentaires. Vous êtes de plus en plus nombreux chaque jour. Dis abonnez-vous. Abonnez-vous.